Depuis un certain temps, le gouvernement béninois a annoncé la répression des infractions liées au code de la route, notamment le non-port des casques. Cette répression a été acceptée par les citoyens de la ville de Parakou, qui n'ont pas manqué d'en faire des appréciations. Ce que le gouvernement a amené, c'est bon. C'est à cause de notre santé. Je suis content avec eux. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Mais finalement, ils ont compris que ah, c'est à cause de nous. J'avais fait accident, j'ai tombé avec la tête, j'ai vu comment mon casque, ça a eu la blessure. Si j'étais, ma tête là, vraiment c'est grave aujourd'hui. Mais c'est pourquoi quand ils ont amené le truc là, j'ai dit, ah, je suis content. En même temps, j'ai acheté un autre pour mon pays. Cette répression permettra de réduire les risques, la dangerosité des accidents. Puisqu'on dit un casque est égal à une vie, cela permettra de réduire le taux de mortalité dans les accidents et autres. Je crois que le gouvernement a bien fait d'instaurer cette décision. Toutefois, des suggestions se font entendre. Ce que les policiers font, ils n'ont qu'à voir, faire doucement, doucement avec nous, les populations. Mais ils rentraient de nous serrer trop. Les policiers, là, ils nous aiment trop. Si tu es allé grand massé, là, le policier va arriver, enlever la clé à la moto. Il va dire que quittez là. Il va amener la moto ici. Tu as fait erreur. Tu vas dire que quand tu as fait, il va dire non, non, tu ne peux pas parler encore. Tu vas prendre la moto partie. Au niveau de les policiers maintenant, avec nos clients, tu donnes le client le casque, toi tu conduis. Alors que la personne déjà enlevé, garder ça derrière toi, tu ne sais pas. Arrivé c'est le policier maintenant, il va commencer par porter. Ah, si le policier t'arrête, tu dis, ah, j'ai mon casque, j'ai donné ça à mon client. Donc tu n'as pas porté le casque. Hein? Voilà que tu as regardé derrière, tu vois que le client n'a pas porté. Et le policier va arrêter ta moto. À cause de ça que tu as acheté de casque, lui n'a pas porté parce que lui ne porte pas. Bon, c'est au niveau de ça que le gouvernement n'a qu'à voir que, ah, par là, pour nous, le policier n'a qu'à faire justement avec nous. Un appel à l'endroit des individus qui hésitent à respecter ces mesures. Je crois qu'ils feront mieux de les respecter, puisque c'est en leur intérêt et c'est en l'intérêt de tous. Puisque lors d'un accident, c'est deux personnes qui feront mieux de porter ce casque pour pouvoir se protéger et protéger en quelque sorte les autres. S'il vous plaît, essayez de respecter ce que la loi dit, car d'abord c'est pour notre sécurité. Donc s'il vous plaît, respectez ceci. Malgré la conformité de certains citoyens aux règles établies dans le cadre de cette répression, d'autres se font avoir en ne respectant pas ces règles, ce qui conduit à l'arraisonnement de leurs engins avec des pénalités.